sorti 1er juin au 30 novembre, c'est saison cyclone. Dans Caraïbes là, dans Atlantique là, nous attendons nous à n'importe événement adverse qui a compliqué la ville. Pour saison ça, experts dans l'Université Colorado, nous faisons connaître que nous avons 17 tempêtes ou des phénomènes qui nous mettent. Nous avons gagné 8 là-dedans. Ouragan parmi eux gagné 4 qui sont capables des ouragans majeurs. Et là, nous parlons de ouragans majeurs. C'est des ouragans, j'en habitue de dire, qui vitesse vent capable de dépasser 250 km/h. C'est ça, nous relais des super cyclones. Là, vous dit nous, ça y aurait été prévision. Mais tout faut pas oublier, en 2016, un seul cyclone de catégorie 4 te mettait la grandeur à genoux. Il te mettait système réponse que nous avons au niveau de la grandeur à genoux. Et jusqu'à présent, c'est quel ouragan majeur visible au niveau du département de la grandeur. Vulnérabilité de vie plus. Et si nous prenons le contexte, saison cyclonique 2021, nous gagnons aujourd'hui la crise sociopolitique au niveau de l'IA. Nous gagnons près de 4 millions de monde qui ont insécurité alimentaire. Nous gagnons d'autres facteurs qui rendent la saison vraiment difficile. Sans oublier, nous gagnons COVID-19 là qui nous fait surface avec l'autre variant. Ça veut dire que la bagarre n'est pas facile. Il n'est pas facile, il n'est pas facile. C'est ça qui fait année ça, en dans protection civile, slogan, c'est prends devant. Prends devant, pas attendre, c'est le dernier moment arrivé pour nous préparer. C'est ça qui fait nous compter sur chaque grand monde qui l'a. Nous-mêmes, directeur départemental, nous-mêmes qui au niveau mairie, nous-mêmes qui dans le système Nations Unies, nous-mêmes qui dans l'ONG, qui appuyer l'État, qui booster l'État. Nous comptons sur nous tous, nous comptons sur chaque grain citoyen, sur femme, sur garçon, sur chaque grain monde au niveau du département de la Grande-Est pour nous lever des défis. Sans nous, la protection civile n'est pas privée à rien, elle n'est pas atteint l'objectif. Parce que la protection civile, ce n'est pas la délégation seulement, ce n'est pas la direction départementale seulement, ce n'est pas le staff technique, là, mais c'est nous tous. De protection civile là. Encore une fois, prévision, hein? Nous disons, il y a des prévisions, mais il ne faut pas oublier par rapport à la vulnérabilité, à n'importe moment, il y a des catastrophes. Et nous allons regarder ensemble qui stratégie, qui public cible que protection civile gagne à NEA. Très très important dans toute communauté. Surtout pour nous-mêmes qui sommes des gestionnaires de risque, des syndicats qui parlent d'emergency manager, des gens qui ont géré l'urgence. Mission protection civile, qui c'est protéger vie, protéger bien, protéger l'environnement. Ok? Année ça, vraiment, dans un bon temps, dans un bon moment, année ça, j'en ai dit, le contexte est vraiment difficile. Et, prévision, fait qu'on ait que saison 1 active. Stratégie de communication, hein? Si nous allons aller, chita là. Il y a une couche que nous connaissons qui est extrêmement vulnérable. Ania, c'est sous lui, nous parlons de l'action. C'est avec elle pour nous parler. C'est eux-mêmes pour nous dire prendre devant. Pas attendre ces derniers moments pour nous préparer. Nous parlons de pêcheurs, nous parlons de agriculteurs, éleveurs, monsieur qui sont capement et volant machine, monsieur qui a conduit moto. Moun ki nan marché responsable l'école, c'est des moun sa yon parle. Parce que nous connaît les moun sa yon frappé, li difficile pour relever. Et les yon frappé, c'est toute communauté qui a été. Nous ne veut dire l'air n'a passé un message de Dieu la moun sa yon. Public cible nous c'est moun sa yon.
C'est eux pour nous dire prendre devant. C'est eux même pour nous faire connaître que l'État, acteur qui n'a géré de eux, pas quitter eux pour quoi. Le public, nous. En second lieu, nous gagnons, nous qui dans les médias, directeurs d'opinion, journalistes, influenceurs, nous savons très important pour nous. Nous connaissons, depuis la protection civile, frapper, nous savons répondre. Il n'y a pas une machine de service. Il y a aidé nous soulager la souffrance de la population. Nous parlons de médias, opérateurs et téléphonie. Nous parlons des jeunes dédiés à l'influenceur qui sont sur les réseaux sociaux. Membres système. Volontaires protection civile qui parfois, même les victimes, depuis nous disons en avant, nous les récompensons. Je passe maintenant, il y a le côté coup de main à la population qui est en danger, à la population qui est sinistrée. Mounsayo, encore une fois, nous comptons sur nous pour nous prendre devant, pour nous appuyer la population pour la saison cyclonique 2021. Encore une fois, moi, je dis merci. Et nous allons faire, nous prenons seulement 3 ONG symboliques. Pour dire en termes de préparation, qui s'est gagné pour la saison. Après ça, l'exécutif l'a clôturé pour nous. Je ne te dis pas, nous ne sommes pas trop là. Parce que nous réunissons un lieu symbolique pour nous faire un bagage symbolique par rapport à contexte. C'est en termes de temps fixe. En gros, nous avons regardé le public cible. Nous avons parlé de agriculteurs, de pêcheurs, de pêcheurs, marchands. Bon, bien que je ne suis pas un jeune, je pense que c'est un groupe qui est très important. Tu as supposé arriver. Et pourquoi, dans le niveau des pères, pour le moment, on a fait ces effets, nous gagnons de GPAS, qui est le groupe de production, c'est le groupe producteur artisanal de semences, qui a produit semences de manière artisanale. Nous gagnons 12 GPAS qui est parti sur 6 communes. Avec GPAS, nous avons essayé de former une question GRD et garder que les gens mettent en place un système d'alerte. Vu l'interaction qui vient entre GPAS et mairie, là, nous avons gardé tout ça qui vient dans la zone qui est disponible, du comité qui est fonctionnel, garder que les gens avec tout acteur qui est petit, tout ça, Kazek, pour garder que les gens. Dans le rayon, par exemple, regardez que les gens mettent un système d'alerte et campé. Et bon côté par hyper, tout, il y a fait avec GPAS, mais il y a tout AstaCrep, qui c'est l'association de parents à l'école des crêpes. Il y a environ 13, nous travaillons avec eux de manière très serrée, mais il y a une vingtaine, mais c'est regardez qui j'ai avec tout, fait la même question. Crêpes, il y a parti AstaCrep sur la commune Jérémy avec Ozo. C'est garder avec nos formations sur question de gestion de risque avec des as et puis garder question et qui j'en mettais au système d'alerte quand même. Calu la travail sur question ça. Mais l'autre aspect qui est intéressant encore, c'est après Mathieu, nous avons pour Bourad à ensemble de l'école dans la réhabilitation, dans la mesure que l'école est capable de servir comme abri provisoire. Gagner l'école, l'église du riz. Il y a l'église du Ri, il y a l'école du Yot, plusieurs écoles comme ça. On a aimé que beaucoup de protection civile gardent qui gens qui sont capables, si bon problème, nous prenons la question du système d'alerte. Nous-mêmes, nous voulons participer tout, mais il faut garder avec protection civile, nous avons aimé connaître qui ça gagne autour de deux zones. Si il y a un comité local de protection, si il y a un brigadier, qui gens pour nous travailler ensemble, puisque la question c'est ensemble pour nous. Si il y a de l'autre partenaire, vous pouvez être très ouvert dans ce sens-là. En gros, c'est pour le moment, c'est l'activité du mondial que nous gagnons. Et la question est plus agricole. Nous avons une possibilité, côté que dans plusieurs communes, gagne quelques. Piste agricole que nous aider pour le caillou sur le vimapio aménagé. Nous avons quelques réhabilitations qui fait. Bon, nous ne pouvons pas faire toutes, mais nous avons gros demandes en pile sur question. On va rentrer là, nous avons un homme Iwa,
qu'après les mouns dans la zone d'air, demande besoin lui en pile. Donc on a préparé son saison cyclonique, c'est des aspects où on est capable d'encourager, si bien dire l'autre organisation qui veut aider dans ce sens ça, l'État à tout, veut aider dans ce sens ça. Mais l'autre aspect qui gagne tout, il faut signaler, puisque l'expérience que nous faisons sur la question de réhabilitation piste, nous avons eu la chance de passer dans plusieurs communes. Ça permet de comprendre tout que nous avons attiré l'attention et la délégation sur quelques magistrats qui ne comprennent pas. Parce que ce n'est pas un aspect. Les gars, bon, je suis maire, je vais pouvoir tout faire, c'est pas moi-même. J'ai l'impression là, dans la logique de protection civile, il faut que tu aies une orientation qui fait pour quelqu'un. Il y a des gens qui comprennent, oui, mais il y a des gens qui ont dynamique pouvoir chef. Même pas que la protection civile, là, il faut faire quelques orientations sensibilisées, monsieur. L'autre aspect que j'ai, c'est. Dans la question de piste agricole, nous-mêmes avons toujours parlé. Si vous avez un problème, rapidement, nous allons écouter la question de piste agricole. Et puis, on va intervenir directement dans le premier temps. Mais au cas d'un problème, nous allons pas porter des urgences. Mais la question de réhabilitation, ça a été appris et c'est dans ça que nous puissions intervenir. Yeah. Et nous-mêmes, au niveau projet UIT, CARE, et nous avons un système d'aller précoce, nous mettons dans le quartier, et au niveau de Caracoli, Saint-Hélène, Basseville, Platon. Nous avons pour faire un CIMEX, et conjointement ensemble avec Gaulle, pour que nous puissions tester le système d'aller précoce. Déjà, au niveau du quartier, nous faisons des prépositionnements, nous positionnons dans les bâches et tout le matériel de mitigation, donc pour et pelles, et piquois, bourrettes, et ils ont pu positionner dans la zone ça. Et avec CCGRD, le Civil Communautaire de Protection Civile, nous allons gagner pour nous faire et 5 petits projets de mitigation. Et si on a une zone au côté qui a un problème, ça veut dire qu'on a identifié la zone là, et puis permettre que pendant ces zones cycloniques, nous faisons un petit projet de mitigation pour être capable. Si là, tu as des dégâts, alors qu'il y a moins de dégâts faits dans la zone. Ça. Et en gros, c'est ça nous-mêmes, au niveau CARE, que nous avons fait, nous avons tout pour nous faire une formation pour le monde agri-provisoire. C'est en gros, c'est ça que nous avons pour nous faire au niveau CARE Haïti. Ok. Pour nous-mêmes, goal, et ça que nous faisons pendant la période là, et nous avons une formation que nous avons réalisée, qui est en cours de réaliser. Nous avons couvert 5 thématiques avec entités qui travaillent dans le domaine de GRD, et à savoir Brigadier Poudio, Croix Rouge, etc. Nous avons tout dans le quartier d'intervention, nous avons environ 5 cellules de protection que nous mettons en fait sur des points pour GRD, qui permettent que les messages de sensibilisation, les canaux de transmission soient faits dans le même temps dans le quartier d'intervention. Donc, si nous faisons des conseils avec un partenaire de mise en œuvre dans quatre projets, qui c'est actionnel. Et celui-ci, ça a formé et il a gagné des matériels préposés. En fait, à travers l'autre institution, tout un coucou de Cook Jérémy, nous gagnons des matériels que nous préposés qui permettent que si gagnent, ils ont des difficultés pour être capables de faire, ils ont une première intervention. Parce que nous-mêmes, Goal, nous n'avons pas fait de position stock, mais nous faisons à travers les structures. Et puis, nous gagnons toujours collègues qui ont l'entendu là, un CIMEX conjoint que nous allons faire ensemble avec CARE, donc nous sommes capables de tester le système ça dans différents quartiers. Et puis nous avons travaillé pour installer un marégraphe qui est un système d'alerte précoce multirisme qui a un rapport surtout avec le tsunami. Et avec ça, nous allons gagner pour nous faire plusieurs CIMEX pour nous capables de tester ça. Donc c'est ça nous gagne comme préparation pour ces autres cyclones. Et puis nous avons des ressources humaines disponibles en cas où tu as un élément adverse qui va pouvoir participer avec Koudla dans gérer et nous avec des potentiels. Merci. Et que volontaire, ça nous avons une séance de sensibilisation que nous allons faire avec eux. Donc nous allons former pour que nous soyons capables de sous-gérer. Et que de procéder avec la protection civile, nous avons une formation que nous allons faire pour volontaires en premier soin. Et que volontaires s'arrêtent même après pour tout le monde dans la section et bien faire même formation ça.
et que nous avons tout réhabilitation, abri, et que nous allons lancer pour la période ça. Donc, ouais, sur le département de l'Est, nous avons environ une trentaine d'abris que nous allons réhabiliter. Donc, c'est en gros, c'est ça que on conseille nous-mêmes de faire. Merci, directeur. Pour parcours, on a sorti ici. Hein? Et puis, de Cafoubac, on a fait Versailles. Là, nous sommes Versailles. On a prolongé Basseville, c'est du Vincent. De là, on va monter pour nous aller dans tête notre marché, on a viré bon Unibank. De Unibank, on a viré bon Unibank, nous descendons. Et dans la rue Alexandre Pétion, côté de l'Union, les Bocanaïdes, on a monté Alexandre Pétion, on a fait sous côté commissariat, on a fait Bobolide. De Bobolide, on a sorti sous côté EDH, nous monté. Nous avons monté Gagamoura, nous avons viré Borsellina, et puis nous retournons, nous prolongeons tout le long à l'Éclairier. Lorsque nous arrivons dans le carrefour côté pompe gasoline, nous avons fait Rue Docteur Hippolyte, nous montons Eugène Margon, et puis nous arrivons au bon placement. C'est pas quoi ça, nous gagnons pour défiler. Merci. Merci, directeur. Donc, nous avons côté Excusez-la ou Marisa, moi je vais venir à l'hôtel. Il a supposé là dès le commencement, malheureusement, il est empêché. Donc, pour vous faire un petit rappel de ça, commandant Alex Soudian, les nappes sorties de Gagamoua, au lieu qu'elles descendent droite, en face de DH, nous avons monté, nous avons passé le bord complexe, pour nous descendre dans le bord place de référence, parce que nous avons passé le bord du haut de taille. Donc, on passe ça à plusieurs raisonnables. Donc, maintenant, on a passé magistrat la parole. C'est tout à fait ouvert à vous, parce que c'est dans la commune nouée. Malheureusement, le bâtiment, on a passé la parole, donc ça va faire clôture là pour nous. Non, non, c'est le département. Merci. Et c'est dans bonjour. Et bien content de vous avoir ce matin. Pendant que je m'en profite, présentez-nous. Excusez-nous pour le retard. Parce que normalement, nous avons tout ça, c'est la dernière activité. Nous avons été présentés pour la grandeur particulière pour moi. Je vous ai obligé d'aller pour. Faire funérailles, donc moi je suis obligé d'aller pour le funérail. Donc bien content. Et sauf que nous réunis la matinée dans un contexte difficile. Dans un contexte côté nous allons lancer une saison cyclonique là. Et en même temps, côté nous avons COVID-19 là qui a fait ravage sur le territoire national là. Donc ça m'a dit pour nous prendre un peu de précaution et pour nous faire des calculs approprié par rapport à différents types de rencontres que nous avons pour nous organiser, même le niveau activité différents partenaires nous avons pour organiser le niveau commune gérée. Donc, moi j'ai entendu l'intervention et représentant Kerlan qui dit qu'il y a un petit projet de mitigation qui nous a financé dans les cas où tu as besoin d'un côté quelconque. Étant donné que nous avons cette activité là, nous avons niveau chef du département, particulièrement le niveau centre-ville là. Si toutefois, tu as besoin le niveau 2e section, mais le niveau 3e section, est-ce que tu as fait intervention dans une ou deux sections ou pas? Donc est-ce que c'est le niveau centre-ville là seulement, le projet de mitigation est capable de financer ou bien est capable d'aller dans la section communale, ça va amener un peu de lumière sur la question ça. Parce que ça qui est arrivé, ce n'est pas le niveau centre-ville là pour nous poser avant, il va passer dans le niveau de la section Sahel. Et moi, c'est ce cyclonique là, suivant l'information qui commence à véhiculer, fait le sentir que ce n'est pas une saison qui est facile pour nous. Elle dit nous-mêmes, nous gagnons des groupes de responsabilité. Seulement, le niveau CCPCA est capable de nous plus ou moins équipés pour nous bailler en réponse après passage. On est un pays quelconque qui est arrivé frappé comme une nord. Grâce à toutes mains que nous venons dans mes cœurs, dans mes goals et dans mes lieux. Donc seulement, nous dit CCPC Jérémien, du plus ou moins équipé pour mener le combat ça. Moi, je pense que le bagaille, une fois nous finissons lancé jeudi, il faut que nous réunissions à nouveau pour nous redéfinir nos stratégies par rapport à COVID-19 là. Qui gens n'ont engagé dans la bataille dans ces cyclones qui là, l'hiver. Donc, officiellement, je dis nous, et ces cycloniques, nous lancer la campagne de sensibilisation, je dis, je dis nous, bonne participation, merci beaucoup.